Aujourd'hui les gars, j'ai utilisé un X-Ray pour tricher dans un cache-cache Fortnite. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un X-Ray, c'est un hack qui te permet de voir à travers les murs, c'est beaucoup utilisé sur Minecraft. Bien évidemment les gars, j'ai pas envie de me faire ban de Fortnite, donc j'ai pas utilisé un vrai hack sur mon PC, mais on a utilisé des items de hacker. Donc je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin, il y a des items trop cheatés. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. L'abonnement c'est totalement gratuit, vous appuyez sur le bouton rouge et vous activez la cloche. Actuellement, je reste les 800 000 abonnés, donc abonne-toi dès maintenant pour m'aider à atteindre ce palier avant le million. En plus, il y a une vidéo par jour sur la chaîne YouTube, je suis en daily upload et j'en profite pour faire une grosse dédicace à tous ces BG qui se sont abonné à la chaîne YouTube, merci beaucoup. Et si tu souhaites passer dans ma prochaine vidéo, abonne-toi et active les notifications, c'est totalement gratuit. Et si vous kiffez les vidéos sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, c'est super important. Je remercie aussi ceux qui utilisent mon code créateur. Mon code créateur, il est simple, c'est PJP. Vous êtes déjà plus de 35 000 à me soutenir, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, code PJP pour pécho sa crush. Ok les refs, on se retrouve dès maintenant dans le cache-cache de mon petit frère. Comme vous le voyez, il est en face de moi les gars, et le cache-cache va bientôt commencer. Tous les abonnés sont prêts les gars, et aujourd'hui, on va carrément utiliser un X-Ray. Comme vous pouvez le voir les gars, tous les abonnés sont en place pour cet énorme cache-cache. Je vais leur laisser 2 minutes pour aller se cacher là-dedans et ensuite j'irai les chercher. Est-ce que vous êtes prêts les refs? Dès que je vais tirer en l'air, vous allez pouvoir partir. Attention, let's go les gars, vous pouvez partir, dépêchez-vous, vous avez seulement 2 minutes. Let's go les gars, le cache-cache commence. Vous l'avez compris, l'objectif c'est de tricher aujourd'hui et d'être l'ultime gagnant de ce cache-cache. Moi, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais compter 2 minutes sur le parking et après je vais aller les chercher. Sur cette map les refs, il y a une petite cachette secrète. Regardez, on peut tout simplement ouvrir la bibliothèque. Si je clique dessus, je peux tourner entièrement la bibliothèque et on voit qu'il y a une salle de hacker en dessous. Donc je vais devoir me dépêcher les gars, je jump et je remets la bibliothèque en place. Et ensuite les gars, on est directement dans une immense salle de hack avec énormément d'options. Déjà comme vous pouvez le voir les gars, je peux changer mon skin, même si j'en ai pas l'utilité car c'est pas un défilé de mode. Mais ce qui est intéressant les gars, c'est que je peux utiliser des hacks avec un ordinateur comme vous voyez juste ici. Et en plus de ça, je peux utiliser des armes. Et comme vous le voyez, il y a une arme trop stylée dans la boîte. Pour commencer les refs, j'ai déjà utilisé le bouton des hacks les gars et je suis téléporté dans une toute nouvelle salle. Déjà dans cette salle, vous le voyez, je peux activer le fly, donc je vais carrément l'utiliser. Comme ça maintenant je peux m'envoler, c'est très cheaté. Et en plus ça, je peux mettre 10 000 HP sur mon skin. Actuellement, vous le voyez, j'ai un seul HP. Mais si je rentre dedans, les gars, attention, j'ai 20 000 HP, les refs. Bon, clairement, je peux vous le dire, j'ai clairement gagné ce cache-cache d'avance. Je suis invincible. Ça fait maintenant 2 minutes que je suis en train de compter. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller les chercher. On va commencer d'abord par ce côté-là. Il y a l'air d'avoir des fontaines assez sympas. Quoi? Attends, mais je rêve, il y a déjà un abonné qui est juste ici. En plus de ça, il est en train de danser sous la fontaine, mec. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mon rêve, cette cachette-là était plutôt originale. Même si en vrai de vrai, c'est pas trop une cachette. Je vais devoir te tuer, je suis désolé. Maintenant on va activer le X-Ray les gars, donc j'appuie sur les armes et je suis dans une toute nouvelle salle de hacker. Dans celle-ci les gars, vous le voyez, il y a énormément d'armes super cheatées, plein d'armes légendaires. Il y a même carrément une arme mythique les potes, c'est une dinguerie ce cache-cache. Mais ce qui va nous aider à utiliser des X-Ray les amis, c'est déjà de 1 le poisson guerrier. Il y a aussi cette arme très cheatée, le scanner de reconnaissance qui va être très puissant. Je vais aussi utiliser un petit poisson thermique. Et pour terminer les gars, j'ai trouvé une arme aussi très puissante, c'est le lance-fusée pour trouver tous les joueurs de la map. Oh, ici il y avait moyen d'avoir un abonné caché. Oh mais attends, mais il y a un abonné caché juste là. Il est vraiment trop bien caché mec, faut vraiment tourner sa caméra pour le voir mec, incroyable. Ça n'empêche pas par contre mon ref que je t'ai trouvé, donc je dois te tuer. Ok, let's go. Comme vous le voyez les gars, j'ai un stuff super intéressant et grâce à ça je vais pouvoir X-Ray et trouver tous les joueurs de la map. Maintenant les gars, je vais retourner sur le cache-cache, hop là, et je suis re-téléporté dans la salle. Comme vous le voyez, il reste encore 13 joueurs en vie, ça reste beaucoup. Moi l'objectif c'est d'être l'ultime gagnant. Je vais commencer à utiliser cette arme les gars, je peux voir combien de joueurs j'ai scanné. Actuellement j'en ai scanné 0. Du coup mon objectif c'est d'en scanner, je vais tirer vers là-bas. Attention, est-ce que je scanne quelqu'un? Non, j'ai toujours scanné personne. Je vais tirer vers là-bas les gars. Oh, j'ai scanné quelqu'un. Ok, ça vient de fonctionner, il y a marqué une personne scannée. Je vais retirer vers là-bas pour être sûr de le scanner. Du coup oui, ça fonctionne. On voit son identité. Oh oui, juste ici, il y a encore des trucs à maïs. Peut-être qu'il y a un abonné caché à l'intérieur. Ok. Oh, let's go! Il y a un abonné caché à l'intérieur. Oh là là, mec, ta cachette était vraiment incroyable. Malheureusement, mon ref, je t'ai trouvé et je vais devoir te tuer. Oh, par contre, les gars, il y a mon petit frère qui vient de trouver un abonné juste là-bas. Faut vraiment que je fasse attention. Je peux pas le tuer tout de suite. Attendez, il est caché dans l'arbre. Il me fait de la peine. Je vais quand même l'éliminer. Ah, frérot, tu vas pas m'échapper, mon ref. Ah, il va pas m'échapper, les gars. Grosse balle dans la tête. Je vais voir si l'arme, elle fonctionne sur mon petit frère, si j'arrive à le scanner. Oh, ça fonctionne, les gars. Je viens de scanner mon petit frère. Il y a marqué un joueur de scanner et il est tout là-bas. C'est quoi cette zone? Attends, quoi? C'est quoi ça? Mais attends, mais ça, ça permet de chercher les joueurs aux alentours, mec. Mais pourquoi il y avait une grenade comme ça sur la terre? Mec, comment ça se fait qu'il y a des abonnés qui ont des grenades comme ça? Les gars, c'est interdit. Si vous avez des grenades comme ça, ne les utilisez pas, les gars. C'est totalement interdit. Il est maintenant temps pour moi de tester un nouveau X-Ray. Et en mangeant ce poisson, je devrais scanner un joueur facilement. Ok, je vais le manger, les gars. Est-ce que j'ai scanné quelqu'un? Oh. Oui, les gars, ça fonctionne. J'ai scanné un mec dans un buisson. Qu'est-ce qu'il faisait caché là, le frérot? Je suis mort. Attendez, j'ai envie de lui mettre un petit coup de pression. Je vais lui mettre un petit flambeur.
Oh non, je l'ai tué instant, je suis désolé. J'avais oublié qu'on avait un HP sur cette map. J'ai brûlé l'arbre et j'ai tué l'abonné. Franchement, si tu vois la vidéo, je suis désolé. Je voulais pas t'éliminer aussi facilement. Oh, mais attends, mais il y a un nouvel abonné là-bas caché dans une fontaine. Le mec, déjà tout à l'heure, il y avait un autre abonné. Mais les gars, mais c'est quoi vos cachettes qui sont explosées? Bon, mon ref, je vais être sympa. Je vais te donner un défi et si tu le réalises, je vais te sauver la vie. Je vais te donner comme défi d'aller chercher un abonné. Mais pour ça, t'auras seulement 20 secondes. Donc si en 20 secondes, tu me trouves un abonné, je t'épargne. Ok, attention, est-ce qu'il va me trouver un abonné vraiment? J'ai hâte de voir ça. J'ai l'impression qu'il se dirige un petit peu sur le côté. Je sais pas du tout où est-ce qu'il va m'amener. 4, 3, 2, 1. Mon ref, malheureusement, tu n'as pas réalisé le défi. Je dois te tuer. Maintenant, les gars, on va tester un tout nouveau X-ray grâce à ce poisson, les gars. Je le mange directement. Oh, on a une petite nouvelle vision. Normalement, avec cette vision. Oh, je vois déjà des gens au loin. En vrai, je sais pas si c'est un abonné ou c'est mon petit frère que je vois là-bas. Oh, mais attends, mais là-bas, il y a un abonné. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est pas du tout caché, lui. Mon ref, à quoi tu joues? Mais t'es pas du tout caché, mec. Arrête de courir. Ah, mais c'est mon petit frère, en fait. Non, il m'a trouvé. Je croyais que c'était un abonné, moi, de loin. Tu sais quoi? Comme l'autre personne, elle a pas réussi à réaliser le défi. Ça va être à ton tour. Je vais te laisser 20 secondes pour trouver quelqu'un. Alors dépêche-toi, mon ref. T'as pas beaucoup de temps. Il vient de me donner quelques secondes, les gars, pour vite trouver un abonné. Faut que je me dépêche. J'ai vraiment pas de temps à perdre les gars, faut que je me dépêche. Je vais utiliser cette arme vite, faut que je scanne quelqu'un vite vite vite. Oh, j'ai réussi à scanner quelqu'un, il est tout là-bas. Je suis désolé pour l'abonné les gars, mais je vais devoir te balancer à mon petit frère. T'es ma dernière chance de gagner. Où est-ce qu'il va? Mais attends, mais il se dirige vers les silos là-bas. Oh quoi? Attends, il est en train de pointer le silo. Il y a un abonné caché à l'intérieur du silo. Ok, il y a un truc, il y a marqué jump ici là, on peut jump. Attends, je clique dessus. Oh, on s'était pas à l'intérieur. Oh, jump into silo, quoi? Mais non! Mais non, il y avait un abonné caché à l'intérieur. Bon mon ref, du coup t'as réussi le défi, je vais te laisser partir. Par contre toi mon ref, je suis obligé de te tuer, je suis désolé. Comme vous l'avez compris, mon petit frère m'a donné une deuxième chance. Je vais vite me recacher, j'ai vraiment failli perdre le cache-cache. Je suis enfin de retour dans la salle des hacks les gars. Et grâce à cette faille, regardez, je peux être tout en haut. C'est vraiment super cheaté car je vais pouvoir X-ray et trouver tous les joueurs encore plus facilement qu'avant. Déjà je vais manger ce petit poisson, normalement ça devrait m'aider. Et là je suis censé voir tous les joueurs en rayon X. Je vais aussi manger ce petit poisson, normalement je devrais scanner la zone. Je vais utiliser plutôt cette arme les gars, le poisson il a pas trop fonctionné. Oh mais les gars, je peux scanner toute la zone, c'est trop fort. On va monter l'escalier. Mais mec, mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a des boules comme ça, mec, qui sont en train de me localiser? Attends, il y en a partout dans toute la map, mais c'est quoi ça? Bonne nouvelle, les gars, j'ai enfin réussi à trouver un abonné. Il était super galère, mais en utilisant cette arme de hauteur, les gars, ça fonctionne pas du tout. C'est pour ça que j'ai trouvé personne. Je vais voir si je peux le tuer avec le lance-flamme, les gars, je vais tester. Mais attends, ça lui fait même pas de dégâts? Wesh, mais qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Il y a un bâtiment qui brûle. Mais attends, mais pourquoi il y a un mec qui a brûlé le bâtiment là-bas? Mais comment ça se fait déjà qu'il brûle? Oh là là, par contre, ça a l'air super dangereux. Si je me prends du feu, les gars, je vais mourir. Faut que je fasse vraiment attention. Oh, mais en plus de ça, il y a un abonné qui est tout là-haut, au-dessus du bâtiment en feu, mec. Mais qu'est-ce qu'il fout là-haut? Mon ref, descends là, tu vas mourir. Wesh, mais attends, mais c'est toi qui a mis ce feu là, mec. Attends, mais c'est pas toi, mais alors c'est qui a fait ça? Bon, mon ref, ça n'empêche que je t'ai trouvé. Je dois te tuer, je suis désolé. Non, il a tué l'abonné, je suis deg. Trouve quand même que mon petit frère est vraiment trop méchant dans ce cache-cache. Il est temps de le tuer. Mais attends, mais pourquoi il a un fusil à pompe dans les mains? Oh là là, mon ref, lâche ça. Lâche ça, mon ref, lâche ton fusil à pompe. Obligé, c'est toi qui mets le feu partout depuis tout à l'heure. Allez, il sort son arme. Moi aussi, j'ai une arme, frérot. Tu croyais que t'étais le seul? Mais oui, mais regardez-moi ça, les gars. C'est lui qui balance les grenades depuis tout à l'heure. Lâche tes armes, malheureusement, je vais devoir te tuer. Arrête ça. Là, il est en panique, les gars. J'ai utilisé mes armes, il est en panique. Là, je sais pas s'il va me tirer dessus, j'hésite. Fais pas n'importe quoi, mon ref. Lâche tes armes. Mais attends, mais il s'approche de moi, mec. Je sais pas si je dois le tuer. Désolé, mon frérot, mais c'est mon cache-cache désormais. Voilà. Comment t'as réussi à avoir ces armes là? Quoi? Mais non, mais les gars, il m'a tué! Regardez-moi ça, il avait un pompe, un poisson et un truc qui permet de détecter les joueurs. Mais mec, mais qu'est-ce qu'il faisait? Je suis vraiment désolé pour mon petit frère, j'ai triché dans son défilé de mode, j'ai utilisé X-ray et en plus je le kill, franchement, c'est pas sa journée. Si vous voulez donner de la force à mon petit frère, il y aura sa chaîne en description aujourd'hui, il a vraiment pas eu de chance le frérot. Et si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de mettre un énorme pouce bleu, de t'abonner avec le bouton rouge et la cloche des notifications et n'oublie pas le code PJP pour me soutenir, c'était Power. Bye bye!